Journaliste québécois, Gilles Courtemanche publie aux éditions du Boréal un roman ouvertement autobiographique, Un dimanche à la piscine à Kigali. Réalisateur à Montréal, Bernard Valcourt est envoyé dans la capitale du Rwanda pour y diriger la télévision locale. Il passe de l'hiver enneigé à la chaleur africaine et au flou d'une mission. Sur place, il mesure avant tout les ravages causés par le sida. Au centre de Kigali, il y a une piscine entourée d'une vingtaine de tables et de transats en résine de synthèse. Puis, formant un grand L qui surplombe cette tache bleue, l'hôtel des Mille Collines avec sa clientèle de coopérants, d'experts internationaux, de bourgeois rwandais, d'expatriés retors ou tristes et de prostituées. Tout autour de la piscine et de l'hôtel se déploie dans un désordre lascif la ville qui compte, celle qui décide, qui vole, qui tue et qui vit très bien, merci. Et Bernard va rencontrer Gentille, une toute jeune femme à la beauté éblouissante, et par elle, il découvre la réalité de l'affrontement séculaire entre les deux ethnies rivales du pays, les Hutus et les Tutsis. Il côtoie l'abominable, mais Gilles Courtemanche est romancier, il sait mettre en scène des personnages et des situations, ainsi de la mort à l'hôpital de son ami Méthode, à qui une femme vient faire l'ultime offrande de son corps.